Ils travaillaient tranquillement là-bas, ils touchaient leur salaire, les jouaient très gentils avec eux, comme des frères et tout ça. Il n'y avait pas de problème. Mais les Palestiniens, au lieu de donner du travail à son peuple, qu'est-ce qu'ils donnent Klochinkov. En plus, Hanier, il a dit quand vous êtes massacré, c'est bien pour son business, parce qu'il augmente le chiffre d'affaires. Il ne faut pas être imbécile dans la vie. Tout à l'heure, un ami m'a envoyé quelque chose de Pakistan. Je l'ai mis sur mon site, euh, mon page d'Instagram. Il y a plusieurs pages Instagram, Facebook, à mon nom. Mais euh, vous devez trouver celle qui est correcte, que je suis dedans. Par exemple, David Abbasi, quand vous tapez sur Instagram, euh, il y a 40-50 000 abonnés. Euh, ça, c'est beau. Voilà. Vous pouvez aller le voir. Ce que je vais vous dire. Il m'envoie du Pakistan, un ami. Il dit récemment, en Pakistan, euh, on a dit voilà, dans le désert, on va planter des arbres pour améliorer patati patata. Ils ont allé dans le désert de Pakistan ils ont planté des arbres. Alors, il y avait un euh, mufti, Ayatollah, un imam, un clergé, connard, connard vraiment. Je ne sais pas quel intérêt il avait, il avait entrée dedans toujours. Il avait dit Ah, oh, pourquoi ils sont allés là-bas planter des arbres là-bas Si le Dieu, il voulait des arbres dans le désert, oh, lui-même, il pouvait faire pousser les arbres. Pourquoi ils ont fait ça Allez, arrachez tous ces arbres. Et le, le film, vous le voyez dans le film Les sauvages. C'est les sauvages, ces gens-là. Ils attaquent dans le désert du Pakistan, je ne sais pas c'est quel quartier, quel... et ils sont en train de arracher les, les, les arbres un par un, et ils dansent et ils chantent, et ils sont très contents, et ils disent ⁇ Alors, Akbar. Ces gens-là, c'est des cons. <laughs> Toi qui es intelligent, tu as étudié en France, en Algérie, en Maroc, en Jordanie, vous connaissez... Euh, un plus un ça fait deux en moins, c'est quoi l'intelligence, c'est quoi ce monde-là Vous ne tombez pas dans le piège de ces gens-là. Alors le Hamas, le peuple qui se fait tuer, c'est des gens qui tombent dans le piège de propagande, de Hanier. Le peuple musulman, en totalité, c'est des êtres humains gentils.